Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode de Goulag Ball. Le Goulag Ball. Donc du coup toujours sans Antonin, parce qu'il ne donne pas de nouvelles, je crois qu'il est en train de jouer à Kingdom, hein. Incroyable. Il fait le mort, mais moi vu que je suis intoxiqué à ce jeu, mais ça vous le savez déjà, du coup on va continuer sans. Vous voyez, j'ai pu ajouter quelques petites structures en offre, organiser un peu pour essayer de trouver de la place, de l'espace un peu partout. Et j'arrive donc à ce final là, hein, qui rend pas mal je trouve. On a bien un chemin où pour les visiteurs, donc étant en dalle de grès, hein, normalement ils peuvent accéder. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il n'y a pas moyen dans le déploiement de faire passer que des... direction d'orientation pour les visiteurs. Mais bien sûr, ben voilà, ça c'est excellent. Et ben voilà, on va faire ça. Voilà. Ah oui, alors il faut que j'aille plus loin parce que oui, il y a les prêtres et les conneries comme ça. Hop, 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 hop. Comment ça, pas d'accès? Ah, c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Parce qu'en fait, les tours de garde, on peut pas accéder à l'arrière. Enfin, elles sont mal conçues leurs tours de garde en termes de hitbox. Elles sont un peu nulles. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Bref, c'est bizarre. C'est bizarrement nul. C'est nullement bizarre. Bah, écoute, on va remettre une double porte. Hein. Ce sera donc une double porte, et puis ce sera très bien. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Et je pense qu'effectivement, ensuite, on aura une porte de gardien. Très probablement ici. J'ai pas forcément l'intention de fermer plus que ça, donc pourquoi pas. Un petit peu de déco, un petit peu de gazon, ne soyons pas sauvages. Du gazon pour les gardes, évidemment. Les autres, non, pas nécessaire. Ah, j'ai pas de porte ici. Ah, je crois pas que j'ai de porte. Checkons cela. Y a pas de porte. Ça explique pourquoi je pouvais pas mettre la zone en personnel uniquement. Maintenant j'ai ma réponse. Vous me demandez pourquoi ça voulait pas. Absolument pas à ce point-là. Porte de clôture visiteur. Ouais, on va la garder pour l'instant. Sous le coude. Et ouais, je pense qu'on va donc se replacer une autre porte de gardien Asie. Ce qui nous permettra de battre le pavé avec les nouveaux touristes. Hop, un petit peu d'éclairage toujours en zone. On adore ça. Voilà. Nous on adore. Ici à la rédaction. On adore ça. Voilà, bourron des lumières. Faut que les snipers, quand ils tirent sur quelque chose, ils le voient. Alors je suppose que je vais avoir le même problème logistique ici, c'est ça? Déploiement. Ouais, c'est ça, j'ai le même problème. Ok. Super. Go démonter. Donc démonte-moi un bout de grille. On va le récupérer, hein. C'est toujours utile le bout de grille. Et mets-y une porte de gardien gauche. Allez, go. Très bien, très bien. Oh, formidable, formidable. Donc on est pas mal, j'ai pu claquer mes deux détecteurs de métaux ici. La pile elle pète pas encore un plomb. On a beaucoup de marge. Beaucoup de marge, je me demande si on n'alimentera pas un deuxième quartier avec. À voir. À voir, à voir. À voir, nous verrons bien. On n'y est pas encore. Nous verrons bien. Par contre, s'il faut tout de suite que je pense que ça redescend. Voilà, afin d'être à nouveau sur cette ligne-là. Très bien, formidable. Murs, nous avons des murs. Nous avons des murs. Dans ces murs, il faut aménager des trucs.
Faut aménager des trucs, mais c'est pas notre. C'est pas la quête du jour. La quête du jour, c'est d'embaucher au moins 2 médecins. Donc, on va être simple, on va embaucher 2 médecins. Voilà, dans la morgue. Voilà. Alors, il y a une petite transition, comme vous avez pu voir, il y a des radios partout ici. C'est pour diffuser la bonne parole du parti. Voilà, on diffuse la bonne parole. Ah, voilà, il n'y a pas assez de radio ici. Plus de radio. Je dois avoir une radio là, quelque part. Radio. Il faut écouter la bonne parole, la sainte parole du parti. C'est très important. Voilà, même ici il y en a une. Même en classe il y en a une. Écoutez la sainte parole du parti un peu partout. Mais c'est une télé ça? Ah non, ouais, c'est une télé. Ok, il est là ma radio. Mais on n'arrive pas à... tape pour changer d'objet. Voilà, voilà, la radio du parti, excellent. Il y en a partout, sauf dans les cuisines. Il n'y en a pas dans la cuisine. Mais il y en a même dans le... Voilà. Il y en a même ici, quoi. Il y en a partout. Le parti, la sainte parole du parti, évidemment. Voilà, cette radio, la couverture réseau des radios, incroyable. Hein. Il y en a ici. Hein. Ah non, on a prévu. Hein. On a prévu. Hein. On a mis la max partout. Même quand tu dors. Même quand tu dors, t'as le parti. C'est parti pour le parti. Par contre, pour moi, je suis un peu triste, hein, parce que vous savez, j'ai un amour inconditionnel des détecteurs de métaux. Et je trouve personnellement que ça manque cruellement de détecteurs de métaux. Genre, cruellement. Genre, c'est cruel. Hein. Je démonterais bien quelques lampes, faire une extension de mur. Ouais, ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que les détecteurs de métaux, c'est quand même la vie. Et la vie est un détecteur de métal finalement. Voilà, démonte-moi tout ça. Tac, tac, tac. Vous allez voir, on va se faire ça bien, ça va se faire ça vite. Tenter que les ouvriers veulent bien se bouger le boule, bien sûr. Tout ne dépend que d'eux, évidemment. Très bien. Donc, prolongation murale. Détecteur de métaux porte. Détecteur de métaux porte. On est bien. Voilà, tout simplement. On taille sur la douche, c'est pas important. Est-ce qu'on peut aller sur les pièces? Voilà, réduis-moi la douche de. Mais non, mais. Mais je suis sur pièce, m'annule pas les constructions, espèce d'abruti, quoi. Ah, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué de voir un truc aussi con. Et là, tu vas me l'annuler la pièce quand même. Eh, je vais pas m'énerver, hein. Je suis cool. Un mec très cool. Voilà. Donc. Douche, s'il vous plaît. Douche. Alors, ouais, non, pas douche, parce que du coup, mur, s'il vous plaît. Oh là là. C'est énorme, hein, le truc. Hein. C'est vraiment. C'est ça. Ça me les brise. Hein. mais je comprends pas, en fait. Ah oui, non, c'est ça. C'est la grande porte, oui. Oui, non, mais si, je comprends. Je comprends. Maîtrise mon sujet. Comme ça, quand on ouvre la grande porte, le mec qui prend sa douche là, bam, il se la prend en figure. C'est génial. C'est du génie. C'est du génie. C'est dangereux, c'est mortel, c'est formidable, c'est du génie. C'est du génie à tous les étages. Oui, la cellule du dessus n'est plus assez grande parce que j'ai supprimé un bout de cellule. On va te remettre ça tout de suite. Sinon, je vais t'oublier. Paf. Voilà. Quoi ? Tu fais du 2 sur 3 si tu le fais. Voilà la latence. Voilà la latence. Je suis en ligne, c'est moi qui héberge, mais latence de ouf. Trop rigolo ça. Je sais pas si c'est très rigolo, mais je trouve ça rigolo. Ok. Hein? Mais non. Mais. Pauvre fou. Pauvre fou! Voilà, excellent! Excellent! Posez du câblage! Régalez-vous! Du coup, bah, on va peut-être refaire nos douches, hein, parce que nos douches sont pas. On va savoir que c'est quand même pas dingue. Tac tac, on est bon. On n'est pas bon ici. Et donc c'est une seule et même douche, c'est bon? Ça
Ça m'a l'air valide hein, cette histoire. Hein. C'est une seule méga grande douche. Voilà. Elle est bien. Elle est bien bourrée en XT. Hein. C'est nickel. C'est nickel. Parfait. Et je ne suis pas sauvage. Je vais quand même remettre les paillassons. Bah oui, faisons bien. Faisons bien les choses ou ne les faisons pas. S'il vous plaît, tout de même. Quand même. Ah non, pas ça, excusez-moi, je suis bête. Loupiote. Loupiote des entrées, on les replace. Et voilà, on est très bien. Très très bien. Magnifique même, hein. Certains se demandent même si je l'ai pas fait exprès, tellement c'est ouf. Incroyable. Après, il va y avoir des petites bagarres de clans, mais allez, tapez-vous sur la tronche. C'est rigolo. Ouais, vous êtes vite tête serrée, vous allez vite vous taper dessus. Je le sens gros. Non, on va garder les petites tables. On va pas en ajouter plus. Tibia en XT, hein. On est quand même super bien. Hein. On est quand même ultra confort. On se moque pas des gens, ça fait plaisir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bien, beaucoup de tables, beaucoup de tables. Téléphone, par contre, j'en ai pas mis des masses, peut-être mettre un peu plus de Fontel dans la cour. Voilà. Tac, tac, un peu plus de Fontel. Une pile de pneus pour faire style. Ouais, non, c'est vilain. Mais pas une pile de pneus pour faire style, c'est vilain. Donc, je pense qu'on est bien. Bien. Ouais, bien. Ouais, on est bien. Cette histoire de détecteur de métaux là. On est à. Comment la pile ça tient comment? Ça tient encore ou ça tient plus? C'est limitof. C'est limitrof. En sachant que j'ai beaucoup de caméras à poser. Toi tu tiens, je crois, en termes de pile. Ouais, donc en fait on va. Alors voilà. Je pense que on va se démonter. Alors, ah oui, non, il faut que j'aille ici. Voilà. On démonte des trucs. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. On démonte ça. Et en fait, de l'autre côté, est-ce que vous démontez que les tuyaux? Ouais, vous démontez que les tuyaux. J'ai besoin que vous démontiez aussi les. Voilà. Super. Superbe, superbe. Et j'ai mis double portique électrique ici. Je pense que je vais faire pareil. Je vais remettre un double. Un doublé. Oui, c'est un peu l'abus, mais on aime bien l'abus. Surtout quand on a trop bu. Excellent. Ok, bon bah c'est lancé. On va voir à combien on finit une fois qu'ils m'auront branché ça. Ah oui, alors du coup aussi faut aller là. Oui, la pile là. La pile, elle charge à combien? Ça va, ça tient. Ça tient. On aura de quoi? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Dis bonjour à YouTube. Bonsoir, YouTube. Et puis, du coup, maintenant je lance un chrono puisqu'il est là 20 minutes. Hein, parce que sinon, il va râler. Il va dire oh, on perd voilà. De l'argent, tout ça, tout ça. Non, non, j'avais déjà un chrono, TKT, tout va bien. Hein? Allô? Mais y a de la merde dans le tuyau. Ouais. Ah d'accord, bah c'est dommage. Très bien, fort intéressant. Je suis sur Prison Architect. Hein. J'ai cru comprendre. Et moi je suis pas sur le bon jeu du coup. Ouais, ce que j'ai cru comprendre également quand je t'envoyais une invite au lobby. Incroyable.
Non, je suis sur Homogé Sex 2 là. Ah. Et comment ça s'appelle le vrai nom de Homogé Sex 2 le jeu vidéo? Payday 2. Ah, t'es sur PD 2? Bah oui, j'étais chargé. Mais non, moi je t'ai vu sur Kingdom Machin. Non, je suis sur Payday, mec. T'es sur Payday? Oh, attends, on va se faire un gros Payday juste après, hein. Calme-toi. Calme-toi. Bon, bah, du coup, on a pas gagné d'argent, moi, avec mes conneries. Hein. Mon jeu a tourné toute la nuit, résultat, là, il reste 3000 balles. Quoi? Ouais, j'ai un peu avancé. Hein. J'ai un petit peu avancé. On risque de débloquer des subventions d'un coup, en fait. Hein. C'est... Tu vas cliquer sur un truc, tu vas gagner de l'argent tout de suite. C'est possible. Ça peut arriver. Et on a quasiment débloqué toutes les recherches. Mais bon, c'est des détails techniques. Donc on a le truc de droit de visite. Construire un parloir, ajouter au moins 3 tables de parloir, construire une salle commune, ajouter une table de billard, ajouter au moins 2 télévisions, construire au moins 5 cabines téléphoniques. Eh ben dis donc, renonce là. Rien que ça? Rien que ça, monsieur. Demandez, il nous en faut pas plus. Alors j'ai ma salle de nettoyage, par contre ce que j'aurais aimé poser tout de suite en termes de dimension, je pense que c'est buanderie atelier. Genre en urgence, sinon ça si je les oublie on est mal. Si je les oublie quand même on est mal. Ah, j'ai aussi, comment on pourrait appeler ça? Acheter les DLC. Ah, il a craqué psychologiquement, il a tout acheté. Il a tout raqué. Ok, de toute façon ça c'est la taille qu'on veut. Hein? J'ai gagné les subventions, j'ai rien construit. Bah dis donc. C'était bien. Moi je suis d'accord. Moi je suis ok avec ça. Je pense pas que. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise façon de gagner de l'argent. Donc on est sur du 16, donc on est sur du 8. 8, et j'ai un mur ici. Ok, bon, bah, on va dire un peu la taille de la buanderie. De toute façon, la buanderie, pareil, c'est la taille qu'on veut, donc ça c'est bien. Atelier aussi, je crois. Hein. Non, minimum 5. Bon, tu les auras. Hein. C'est pas trop un problème. Tu les auras. Maintenant, il faut que j'arrive à caler là-dedans. Dans l'espace qui nous reste. Bibliothèque. Oh, j'ai la place. Écrou, j'ai tellement la place. Genre, une bibliothèque à Bibi, ça fait ça. 5. Ça, c'est une bibliothèque à Bibi. Et c'est le plus gros. Ça c'est 5 et ça c'est 4. Ça c'est 5. Et ça c'est 4. Bah c'est la win. Du coup je peux agrandir les buanderies et compagnie. Alors il y a des conneries genre d'isolement matelassé tout ça, mais je crois que c'est pas ça concerne pas les gens. Ouais c'est ça. Mais... Ça concerne pas les, les structures de base. Mmh. Évidemment. Dis bonjour à Twitch, Antonin. À Twitch? Bah oui, à Twitch. Dis bonjour à Twitch. Comment ça, à Twitch? Bah dis bonjour à Twitch. Comment ça, Twitch? Tu veux pas dire bonjour à Twitch? Bonsoir, Twitch. Comment okay. Ça, Twitch? Excellent. Excellent, excellent. Buanderie. Ah ouais. Ah ouais, un live en 180 pixels. Ah, mais je me disais aussi. Ah, incroyable. 800 personnes regardent une bouillie de pixels colorés, c'est incroyable. C'est ouf. 800 personnes peut-être pas, hein. Même pas. Puisque je ne suis pas en live, évidemment. Voilà. Et ben, je pense qu'il nous reste plus qu'à découper tout ça avec des murs. Et ben voilà. Oh, j'ai réussi à tout rentrer. Mais je suis un dur. Je suis vraiment... Après moult erreurs, finalement... J'ai sorti le Deus Gros Ex Machina, quoi. Incroyable. Porte. Double porte. Et double porte. Ok. Pas de porte spécifique, vous passerez tous par cette porte-là, qui sera par contre une... Alors, oui, non, alors je suis pas un Deus Gros Ex Machina. Arrêtez tout. Pauvre fou, arrêtez tout. Je vais inverser la salle commune et les deux là. Ouais. On va tout. Pourquoi ça celui-ci c'est accessible, arrêtez votre cinéma. On va juste inverser le tout de manière à pouvoir déplacer cette porte nulle. C'est très important. On est d'accord.
Merci Antonin. Je sais pas, je suis en train de me réécouter les musiques de Payday. Et elles sont plutôt cool. On se rappellera tous que Payday était un jeu cool. Uniquement pour sa musique en vrai. Non, même son gameplay. En vrai, on a beaucoup tiré dessus, hein, à balles réelles d'ailleurs. Mais c'est le meilleur jeu de son style, faut dire que c'est aussi un peu le seul. Mais... Ouais. Mais moi, vu le nombre d'heures que je lui ai mis dans la bouche à ce jeu, et en 2 FPS, s'il vous plaît, c'est quand même difficile de dire non, en fait, c'est de la merde. Non, le jeu est bien. C'est malhonnête. Tu vois, c'est... Le jeu a son charme. Est-ce que c'est un bon charme, un mauvais charme? Je sais pas. Mais on lui aura claqué des heures. Donc moi, si tu veux, c'est un peu comme si un gamin me disait demain, ça y est, le gars, ça fait 3 jours qu'il a arrêté de jouer à Fortnite, il dit Fortnite, c'est de la merde. Bon, je dirais, moi, je suis d'accord, mais si tu l'as platiné le jeu, tu peux pas me dire que c'était de la merde. J'aimerais enfermer des ouvriers, c'est très rigolo. J'adore enfermer des gens. C'est pour ça que je suis directeur d'une prison. Incroyable. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Bureau de classement et des tables. Ah mon dieu, ce jeu! Pardon. Bureau de classement. C'est tellement longtemps. Des tables. Donc il faut surtout des bureaux de classement. De mémoire. Aïe. Je me fais taper dessus parce que j'ai mal réglé mes graphiques et mes contrôles. Ça, c'est bien dommage. Et puis je pense qu'effectivement, on va intercalocher une table et tout. Arrêtez de paniquer les gens parce que là, ça fait mal aux yeux. Ça picote les yeux. On peut pas. Je sais plus comment on fait pour. On peut plus changer la. Et attendez, la largeur du champ de vision. Le FOV. Ouais. Aucune idée, monsieur. Je ne la trouve pas. Je te dirais qu'il faudrait bien demander à Alfonso, mais. Du 7-1, vois-tu. Faudra que je règle la sensibilité aussi. Voilà, trois tables, deux tables. Ah, j'aurais poussé à trois tables si j'avais été un sac. Bon. Mais suis-je réellement un sac? C'est une jolie pièce pour le parti communiste intégriste. Voilà. Ça fait peur quand même les mots parti communiste et intégriste ensemble, hein. C'est pas ce qui est le plus rassurant. En général, c'est pas non plus ce qui allait ensemble. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord. C'est un peu. Bah, on rappellera bien sûr que Payday casse tout ce qui se passe autour de ton PC aussi. Faut pas l'oublier. Qui casse tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que genre, je ne peux même pas faire de retour à Windows sans que le jeu se casse. Mais si, c'est juste que bon. Tu chipotes, je suis sûr que tu chipotes. Je te connais, t'es le genre de mec qui chipote. Ouais. Déjà qu'en plus je ne vois rien. Par contre, j'ai investi dans un super fusil à pompe. Ça, je suis pas dégoûté. Ok, je t'écoute ça. Par contre, il y a tellement pas de munitions dedans, par contre, c'est assez incroyable. J'adore la façon dont il se recharge, ça y est, c'est mon arme préférée. Parce qu'il est très important de savoir qu'on joue à ce jeu que parce qu'il y a des armes pétées. Exactement. Tu connais le fusil à pompe sniper? Oui, ça dépend de quelle flingue tu parles, mais étant donné que j'avais toutes les ressources du jeu, oui, je dois voir de quoi tu parles. Quand tu as pas un sniper avec un fusil à pompe, je pense que celui qui est le plus humilié, c'est le mec qui tire dessus. Alors, dans un magasin, il faut quoi? Des petites tables. Des étagères de magasin. Et une façade de magasin, c'est tout. Et ben... C'est parti. J'adore les musiques de jeu, elles sont énormes. Et ouais. Étagère de magasin. Étagère de magasin. Étagère de magasin. Et des tables petites. Ou une table grande. Allez! Espace optimisé! C'est le seul jeu où tu peux tuer des ennemis sans leur tirer dessus. En PD2? Sans savoir viser. Non, c'est pas le seul.
Ah oui, ouais. Mais non, mais sans viser sur eux. Et c'est vrai que c'est agréable tout C'est-à-dire ça. que... T'as pas besoin d'être très Ouais, précis, c'est... hein. Non. C'est assez agréable. Ah, la radio Bon, du par parti, contre... j'avais oublié la radio du parti. Mais oui, tout à Comment? fait, certes. Ah, je. J'ai une politique très communiste ici. Ah oui, la radio, La radio, exactement. pour les discours du parti. Exactement. Ouais, même toi, tu suis ce qui se passe. Il y en a dans toutes les pièces, hein. Même au parloir. Déjà que tu vas voir des mecs du parti pour qu'ils acceptent de te libérer ou pas. Et bah, histoire d'ajouter une couche jusqu'au bout, t'as quand même la radio du parti en plus. Qui donc répète exactement le même truc que le gars est en train de te dire en face de toi, mais c'est pas important comme détail. Excellent. Oui, il manque des choses. Excellent. Excellent, excellent. Du coup, pièce. Du coup, il nous manque une pièce qui est la salle commune. Voilà. Qui est donc ici. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ah Alors, oui, c'est dans une vrai que salle. quand t'es accroupi, ça te donne l'impression que t'es allongé en fait. Pim, 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 pim. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je pense que. Tiens, deux machines bioup bioup, blip blip, parce que j'ai ça en stock. Ça me dérange pas de vous les lâcher. Oui, alors pour voir la qualité, c'est ça, faut que j'aille sur déploiement, non, logistique, qualité des pièces. Ah, ça marche que pour les cellules. Comment on voyait si on avait bien rempli un truc ou pas? Je sais même plus. Je sais même plus, mais je vous jure, il y a des trucs très intéressants à faire hein, dans ce jeu, incroyable, incroyable, incroyable. Il nous faut des chaises de mémoire, il nous faut moult chaises pour le psy. Tac 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 tac. Je vais enlever celle-là parce que je vais nous mettre sur dans la salle commune la radio du parti, évidemment. Et quand tu rentres, tiens, hop, une petite radio du parti direct. En gros, tout de suite sous ton nez. Paf, radio du parti. Et c'est parti, bien sûr. Excellente blague, lourde. Poussons ça par là, admettons. Alors, oh là là, mais on sauce. Mais ils sont tellement bien ces prisonniers. Mais moi j'ai envie de finir au goulag. Moi, parce que c'est vraiment les goulags, c'est incroyable. C'est vraiment. C'est un peu l'apogée de la prison moderne. Ah oui, c'est vrai, je leur ai mis les masques de Trump, mais... Bot. Il y a masque de trompe? Ouais. Oh, mais je vais te rejoindre, TKT. On va vous faire du petit payday. S'il n'y a plus personne pour regarder du bon gros payday. Ça fait longtemps. Ouais, et je crois qu'il y a une mission que j'ai toujours pas fait en fufu. Hein, donc je pense que je vais aller tryharder ça. Ça va être bien. Ça me prendra que 200 heures, ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. J'avoue. Ouais, parce que les Ce vieilles jeu day au avait quand payday. même des. C'était chaud. Ce jeu avait quand même des phases de discrétion cassées, hein, vraiment. Comment ça? Bah, on va pas se mentir que des fois, c'est un peu compliqué, hein. Attends, j'ai un bug. Mais j'ai un bug horrible. Oh, j'ai le pire bug du monde! Non! Oh non, le pire bug! Le pire bug qui peut m'arriver! Mais pourquoi? T'es venu démocrate? Mais non! Pire encore! Oh, c'était tellement Ah! pire! T'as abandonné le communisme? Non, encore pire! Oh, Genre, tu t'es vas même pas devenu deviner, juif? tellement c'est ouf. Je sais pas. T'as un prisonnier qui s'est évadé alors qu'il n'y en a pas? Pire encore! Sais pas. Ma foresterie était buggée, il coupait plus aucun arbre. Ah non! C'est atroce. Voilà, donc je suis en train d'annuler ma zone de foresterie, ça prend une plombe parce qu'évidemment elle fait 1 million de kilomètres carrés.
Et je vais devoir donc la remettre. Donc je vais me retaper des phases où on va acheter pour 8 millions de dollars d'arbres. Ça va être génial. Bon, après j'ai tout ça à couper. Hein, donc, allez, go au boulot. Hein. Au boulot. J'ai l'impression que le jeu est cassé en fait, tout simplement. Juste le jeu s'est cassé, c'est intéressant. Donc on va se trouver un peu d'argent en prenant le bloc de cellule A qui a déjà été validé. Donc prenons le bloc de cellule B qui me demande de passer à 50, c'est validé. La réhabilitation par l'éducation, déverrouiller l'éducation, construire une salle de classe, 20 pupitres, disposer de 10 prisonniers. Ah, c'est compliqué ça. L'aile de criminel aliéné, c'est pas pour tout de suite. Hein. J'avoue, c'est pas pour tout de suite l'attestation de sécurité de base. Faut embaucher du monde. J'ai pas envie. Affecter des gens. J'ai pas envie. Ah, après, faut commencer à jouer au jeu. En fait, pour les autres, là, faut commencer à jouer au jeu. Ah, je crois que j'ai le jeu qui est en train de crash d'ailleurs, tout simplement. Est-ce Tout que je suis en train de me simplement. rejoindre? Mais merde, mais c'est passé quoi? Même Horizon Architect il plante au secours. Tout est fini. Le monde c'est de la merde. Et la merde c'est du monde. Ok. Bon, c'est bon, il a pas encore exactement crash, hein, donc on va tenter avec les sous qui nous restent d'aménager ce que nous avons besoin de finir d'aménager. C'est-à-dire, il me fallait encore des radiateurs. Genre ici. Genre là. Bon, on est très bien. Aménager un atelier. Alors ouais, les ateliers, faut les opti, hein. Attention. Les ateliers de l'optimisation, c'est parti. Ok, ça s'est placé. Les presses. Ah, intéressant. Ok. Deux presses et deux scies. Ok, maintenant faut mettre des petites tablettes, les tables. Table! Trop grand. Et merde. Petite. Parfait, ça passe. Ça passe pas. Là, ça passe. Ça passe. Ah, j'aurais pu les décaler d'un cran. Ce qui m'aurait permis de coller une table là. Ça aurait été monstrueux. Monstrueux si j'avais fait ça. Bon, on l'a pas fait. Dommage. Ouais, il faut aussi des loupiottes un peu partout. Mettons des loupiottes un peu partout. Voilà. Tac, 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 and tac. Voilà. Mettons-leur donc une petite télé ici, avait-on dit. Avec un petit fauteuil en face pour les gens qui voudraient discuter, c'est formidable, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, on se moque pas des gens. Je suppose que la prison a genre méga évolué depuis que je suis parti. Presque pas. Hier, presque pas. Tout va être occupé, non? Tu es en train de faire un pixel la déo. Disons que je suis parti hier en ayant dépensé quelque chose comme 200 ou 300 000 dollars. Et que ce matin, quand je me suis levé, il restait 450 000 dollars et que là, il reste zéro. J'en ai Parce encore que ça fait dépensé que 100, 400 000 200 000. dollars pendant la nuit? Que 400 000, ouais, mais bon, en même temps, je me suis pas couché tôt, comme d'hab. Ou alors si, je me suis Ah ouais. plutôt couché très tôt, si tu veux. C'est plutôt ça que tu veux T'as tôt ce entendre. matin quoi. Je sais que c'est ce que tu veux entendre. Tu peux ralentir le temps parce que je me fais dégager du serveur? Parce que je peux Ah, pas bah c'est charger, toi qui pas fais civil. planter tout le monde. Ouais, bah je mets lecture, c'est toi qui me fais crash, c'est toi qui me fais ralentir, c'est toi qui poses des problèmes là. Pourquoi tu poses des Bah problèmes oui. là? Voilà, donc on est bien une seule commune qui est généreuse, comme Jean-Marc, hein. Allez, meilleure blague, hein. Allez, salut, mettez un pouce bleu et cassez-vous de On peut revenez tirer plus dessus. jamais. Voilà, c'était super bien, évidemment. On pourrait se mettre, ouais, voilà, tu vois, une petite lumière centrale aussi, c'est joli, c'est joli.
Ah, j'ai. Ah oui, mais j'ai des crétins qui sont fermés parce que. D'accord. Ok. Non, mais ok, c'est acceptable. J'accepte. Yes. Par contre, faut venir me faire ça en urgence, s'il vous plaît. Ah ouais, mais dès que tu rejoins, je crache à moitié en fait. Enfin, c'est pas je crache à moitié, je crache là. Tout court, officiel. Pour ça, je peux pas te rejoindre en fait. C'est ce jeu qui est complètement cassé. C'est peut-être moi aussi, hein. On sait jamais. On sait jamais. T'as relancé le jeu depuis que tu sais quoi? Une fois, je crois, quelque part, à un moment donné, j'ai dû relancer le jeu. Si, t'es là, 589, 565. Lourd. Ça charge. 270, lourd. Franchement, on est bien. Franchement, on y croit à mort. Moi, ouais, je pense que tu vas pouvoir rejoindre. Je vais me faire kicker au bout de 5 secondes. Ouais, je pense aussi, ouais. Comment ça, t'as rien fait? Pas fait grand chose. Comment ça, t'as. Mais, pardon? Je peux coller un truc ou deux là, vite teuf là. Bon, je pense qu'on peut ouvrir la prison, hein, c'est officiel. Non, pas encore. C'est pas encore tout à fait faisable, possible et réalisable. Mais bientôt ça le sera. Mais moi tu sais, moi je bosse pour des subventions, le reste ne m'intéresse point. J'suis par contre, j'étais kické. Ah, excellent, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir que mon jeu ait enfin compris que je voulais pas te voir. Ça fait grand plaisir, hein, vraiment. Oula. Mais t'es pas encore en train de rejoindre. Il me fait crash. Il me fait crash, l'enfoiré, tu le sais. Hein. Je sais. Oui, mais sauf que j'ai pas sauvegardé en fait, donc. Mais il y a des sauvegardes, t'inquiète. Yes, bien sûr, ouais, mais s'il faut que je refasse entièrement le bâtiment, ça va me saouler quand même. Mais non, t'inquiète. Faut arrêter de compter sur ta chance pour le restant de ta vie quand même. Un jour, faudrait que ça change. Non, tranquille, hein. Ah, pas de non tranquille. Juste une réalité. Tous la realidad. Bah voilà, on va relier nos machineries, on est bien. Je vais poser la buanderie. Et on est bien. Voilà, on se fait une petite rangée de machines à laver là, paf 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 paf, comme t'en as jamais vu. On se fait des rangées de planches à repasser de plus petite taille. Voilà, très joli, hein. Vraiment. Oh là là, c'est beau. Hein. Voilà, c'est incroyable, it's amazing. Disait Spider-Man. Merci Spider-Man. Voilà, excellent. Il s'est fait de toute façon, voilà, il n'y avait pas besoin de faire plus, il n'y avait pas besoin de faire moins. On va peut-être arrêter de nous embêter maintenant. Voilà. Il n'y a rien à voir, circulez, cassez-vous quoi. Voilà. On est d'accord, il n'y avait pas plus. Il n'y avait pas plus savoir, on est bon. Mm-hmm. On est Walid, hein. T'es dégoûté un petit peu ou pas? Parce que ça intéresse énormément le public, les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir si tu es un petit peu dégoûté au fond de toi. Ou beaucoup. Ou plus ou moins beaucoup, non. Peut-être aussi. Comment tu le vis au quotidien, tout ça. Ça intéresse les gens, hein. Les gens veulent savoir. La France a droit de savoir, monsieur. Non. On ne pourra jamais savoir. Oh la dégoûtance de ce mec, incroyable. Son TKT, je suis juste en train de peaufiner 3-4 trucs. Je nous raccorde un petit peu d'eau. Ah j'ai pas mis de chauffage, bon on s'en fout. En vrai on s'en fout. Le chauffage c'est comme tout je pense dans la vie, ça se mérite. Ah, j'ai même pas mis la radio du parti. Ah ouais, non, mais là, quand même, si. Faut quand même mettre une petite radio du parti, là. Parce que... Let's get bardy, quoi. Ah, faut insuffisant. J'ai pas 200 balles. Oh, j'ai plus d'argent. Secours. Eh bien, ce sera donc pour une fois prochaine, hein, puisque on n'a plus d'argent. Parce que je vais bugger au point... au point 2, ne plus nous permettre de gagner d'argent. Incroyable.
Ou alors je clique sur un truc pour gratter un peu de thunes vite fait, avant de mettre fin. Genre l'attestation de sécurité de base, c'est très bien. Voilà, j'ai des sous. Je peux poser un radiateur. Et la radio c'est vraiment du parti. Pour un radiateur. Ah, pour la radio du parti aussi, attends. Ah bah oui. Je peux pas me permettre de lancer le jeu en ayant oublié des radios du parti, quoi. Tu vois, on va les mettre à côté des machines à laver, comme ça les gens ils l'auront bien en stéréo dans les oreilles. Excellent. Et il faut que je pose une un à droite, peu de... une à gauche. Faut que je pose un peu de plomberie. Faut que je pose un peu de plombe. Hop. Ouais, est-ce que j'ai besoin de mettre de la grosse tuyauterie? Non. Ouais, va te faire. Non, j'ai dit va te faire, je veux la petite. La petite foyau. Voilà. Voilà, exactement. Exactement, le petit toyau. La petite toyau. Ouais, je crois que par contre, ça, je vais pas y échapper. Je crois que je vais juste claquer une chaudière quelque part. Yes, donc tant qu'à faire, on va la mettre. Par là. Ah ouais, mais alors du coup, faut que j'aille juste avec ma grosse plomberie jusque là-bas. Oh, le jeu ramasse à fond, quoi. Ah, ça. Ça douille, hein. Oh, le jeu il en peut plus. Le jeu il me dit au secours, foutez-moi la paix. Lâchez-moi par pitié. Hop, hop. Quelques tuyaux. Regardez ça, c'est incroyable, hein, vraiment. Je dirais que je le fais exprès, quoi. Soit aussi parfait. Voilà, hein. Plus qu'à attendre que les mecs y posent. Il reste 8375 $. Incroyable, il faut que je les dépense dans des conneries vite. Genre, j'ai pas mis des lampes depuis longtemps. À 30 $. Ah, posons des lampes à 30 $, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ah, c'est très joli, hein. Vraiment. Pff. Ce décorum de lampes. Complètement dingue, hein. C'est incroyable, hein. C'est vraiment. Les gens sont subjugués, Antonin, hein. Faut que tu le saches, hein. Vraiment. Les gens s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais vu d'aussi belles prisons. Tout le monde a envie de faire des prisons. Je pense qu'il faudrait que j'arrête de jouer à Prison Architect. Je pense que ça fait augmenter le crime en France, en fait. Pour ça. Les gens voient les prisons, ils se disent ah, oh, c'est ça une prison, mais c'est trop bien, quoi. Tu vois, c'est... je pense qu'il y a vraiment de ça, en fait. On veut y aller. Ouais, c'est clair. Du coup, en plus il suffit de racketter des gens pour y aller, quoi. Ça va vite, quoi. Enfin, racketter des gens, oui, non, des fois c'est plus compliqué. Ça dépend comment t'es nommé. Si tu t'appelles Rachid, ça va vite pour toi. Si tu t'appelles Bernard Arnault, ça va moins vite. Un peu plus long. Mais bon, chose qui arrive. Incroyable. Et alors, comment aide notre disjoncteur? Bon, bah voilà. Eh, les deux piles sont bien pleines, hein. Oh là 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 là. Juste de quoi brancher quelques caméras, après ça saute, hein. Ah, y'a un qui renverse un verre d'eau là, il crame tout le bâtiment, il crame toute la prison. Excellent. C'est excellent. Et bien sur ce, Antoine, je te laisse faire des bisous à YouTube et à Twitch. Et à TikTok. Et à Tic et Tac. Allez vous faire enculer. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, on dit sous Kabeliat puisqu'on est sur le goulag bal. Ah, attends. Attends, tu me laisses 30 secondes. Vas-y, t'as 30 secondes. Même si ça fait déjà 30 minutes, hein. Ouais, mais ils sont plus à une ou deux minutes près, tu vois. Non, mais mon argent qui s'évapore, oui. Mon argent qui s'évapore très très vite. Est-ce que tu gagnes de l'argent sur ça? Bah, je gagne pas d'argent parce que là, en fait, si tu veux, c'est pas le. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans la prison, là. Les mecs coupent plus à bout de bois, donc. J'aimerais bien mettre fin à la vidéo, quoi. Parce que là, je perds de l'argent sans en gagner, quoi. Puisque nous sommes en Russie, autant dire allez vous faire foutre en russe, hein. Exactement. Trac, niquez bien. Extrême merde. Eh bah très bien, excellent. Eh bah, cracotte à vous aussi. Des bisous.